plantation de kiwis. Nous avons donc récolté les kiwis il y a quelques temps. Et là maintenant, ça va être la bonne saison pour effectuer la taille des kiwis. Là, on a une branche qui est morte. Il suffit de la couper et de voir l'intérieur qui est sec. De toute façon, on voit que l'aspect de la tige est légèrement fripé et foncé. Donc on va pouvoir recouper à cette, au ras de la branche. Voilà, on a aussi alors, celle-ci. Alors quand on n'est pas sûr si le bois est mort, on peut effectuer déjà une taille. Et quand on voit que le bois il est marron et il est sec, à ce moment-là, on peut recouper au ras de la branche qu'on appelle charpentière. Les branches qui ont poussé en 2007. Et pour reconnaître ce bois, le bois est légèrement marron clair, même voire même un peu caramel, alors que les branches qui viennent de l'année précédente ont un bois d'une couleur différente et un peu plus foncé. Et on le remarque aussi à cette branche-là. Quand j'ai récolté les fruits, j'ai laissé un reste de pédoncule. Et pour me repérer pour cette année, savoir que cette branche a déjà fructifié. Donc elle ne fructifiera plus à partir de là, elle va fructifier un peu plus haut. Et à ce moment-là, je vais la retailler plus haute. C'est ça? Et alors on la retaille où? Là? Hein? Voilà, on va la retailler là, où elle s'entortille avec une autre branche. Pointe juste un petit peu et on la laisse comme ça. Là, on a un bout de bois sec qu'on peut enlever. Ça, on peut l'enlever. Ça aussi. Quand on coupe, on retaille toujours généralement au-dessus d'un œil. Et là, on avait laissé un petit bout qu'on a éliminé. Et là, celle-là, on va pouvoir la couper à peu près à mi-distance pour garder de la force dans la branche pour avoir des fleurs au printemps. On va enlever le petit bout qui vient là, qui ne sert à rien. Et on privilégie toujours les belles branches bien costauds afin qu'on puisse avoir assez de floraison au printemps. Patiemment, on défait tous ces bois qui sont entortillés et on laisse partir les grandes branches. Voilà, là on peut encore épointer celle-là. Celle-là, elle est sèche, on regarde où elle démarre, on la coupe là. Celle-là, elle n'est pas très grosse, on la retaille au-dessus de l'œil. Celle-là, on garde le bout le plus gros, on la retaille là.